Salut à tous, c'est Go et on se retrouve sur Far Cry 3 donc pour la suite du walkthrough. Et c'est bien parce que je commence la vidéo avec un chargement. C'est comme ça qu'il faut commencer une vidéo. Et on se retrouve pour la suite du walkthrough Alors on avait tué Vass, donc je suis assez triste. Il y avait Citra qui nous avait violés. Et là on va aller voir nos amis rescapés. Enfin c'est le titre de la mission donc j'invente rien. Ils sont ces cognos dans la grotte. Et on va les voir. Il va comme ça en freestyle. Ah mais c'est juste là en plus. Aïe. Chargement. Un autre chargement. Merci Go. Comme ça qu'il faut commencer une vidéo. Est-ce que ça Ah. va? Oui, ça va. Et toi? Faites le feu. Je suis un putain de Cool. meurtrier, mais ça va. Parce que le bateau est presque prêt, on rentre chez nous. Je pars pas. Bim. La bombe qu'elle Quoi? s'est prise. Mais de quoi est-ce que tu parles? Trouver ma place, c'est ici, sur cette île. Elle va se noyer l'autre. Jason, t'es sérieux? Et croyez, je faisais quoi? Je me baladais dans les montagnes, je suis plein de gens et je suis content de faire ça. Je leur ai sauvé leur putain de vie à tous. Je comprends rien à ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive? Pour la première fois, je sais exactement ce que j'ai pas l'intention de passer à côté. T'es enfin un homme, j'ai tellement attendu que ça arrive. Et maintenant tu me laisses tomber. Au revoir, Lisa. Mais non. Lisa, laisse-le partir. C'est à moitié triste, on va dire. Parce que moi je m'en fous un peu de sa gueule à elle, donc c'est pas grave pour moi, mais je sais pas si on essaie de créer un truc triste, moi j'en ai rien à foutre d'elle. Ça va si je reste à côté. Qu'est-ce qu'il a à dire lui? Il parle jamais. Ah! J'ai rien dit. Oliver. Hey! Écoute, t'as pas du tout à t'en faire parce que je vais rester ici avec le docteur Earnhardt. Putain de toxico lui. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour parler à ma mère. Ton fils il est resté sur une île et tue des gens maintenant. Ok, ok. Il a réussi sa vie. Je vais le faire. Putain t'imagines la mère elle va prendre tellement cher. Ah il y a deux de tes fils qui sont morts et l'autre est devenu un psychopathe. Ouais. D'accord. Ça va être facile à dire ça. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il a à me dire lui? Attendez, je suis jamais allé là. Peut-être ce tonneau là. J'avais bien fait, y'a que dalle. Et à droite là, on peut monter. Qu'est-ce qu'il y a par là? Attendez. Ça c'est une découverte épique. Ça je peux monter ça. Allez, accroche-toi, je sais que tu peux monter. Ah, nice. Oh. On a découvert un secret. J'ai pas envie de tomber. Allez, parcours. Ce mec c'est un putain de ninja. Y'a rien d'autre là? Mais c'est de la merde. Ah oui, non, d'accord, je suis arrivé de ce côté. Ah. C'est quoi là, toutes ces plantes? Allez, je les prends, je commence à prendre les plantes, j'ai aucune limite. Plante porte-bonheur, Osef. J'ai déjà assez fait de plantes avec Miasmata là. Ah, donc c'est. Oula, là je peux sortir mes armes, c'est pas bon ça. Est-ce qu'il va y avoir un animal totalement épique? Ou juste des coffres et rien d'autre? Quelqu'un a vécu ici? Qui? Qui a vécu ici? Allez, rescapé du bateau. Ah, une relique. Nice. Y'a rien d'autre? Bon, c'est quand même. C'est déjà ça. Ah, bah, point de compétence, parfait. Est-ce qu'on peut le foutre quelque part d'utile?
faut que je débloque ça. Mais il faut que je fasse ça, ennemi tué par grenade, bordel de dieu. Bon là du coup je peux me jeter à l'eau comme un... comme un fuck. Et j'ai pas parlé à l'autre PD là qui s'est fait violer. La violence. La violence de ce jeu. Tu vas me manquer mon pote. Toi tu vas pas me manquer, je vous connais pas les gars. Courage pour ton retour à Wall Street. Suffit de bien jouer ses cartes. Sois fort. Ouais. Ok, ça c'est la conversation ça. Et alors il y a des pilules là on m'a dit. Voilà. Toujours la même pilule. Dur, on l'avait pris l'autre fois. Ok, un chargement encore. Chargement blanc qui te casse les yeux en plus. On peut bien dire que c'est un flashback. En fin de compte, c'était une vache qui avait sauté sur une mine. Mais putain, on avait déjà vu le début de ça. Il était passé, Colby. C'est là que c'est drôle. Il s'était barré en douce pour attraper une fille. Sauf qu'elle était tellement morte de faim qu'il s'est évanoui. Pas incroyable. La guerre, mon pote. C'est trop flippant. Ah ouais. Je crois qu'on a perdu Oliver. Je vous ai raconté que les trucs sympas. Mais à vivre, c'était beaucoup moins drôle. Je reviens. Si tu vas faire le plein, ramène-moi une bière. Je rêve. Pas moi qui paye. J'ai vraiment des enfoirés dans ma liste d'amis, hein, comme vous allez pouvoir. Ok, je vais te donner de l'argent. Ouais, donne-moi du fric. Ok, d'accord, qui veut du fric? J'ai des tonnes de bifetons. Ok, allez, toi on voit que tu prends le fric de tes parents vu que t'es un militaire, enfin un soldat ou je sais pas quoi. Le mec, c'est un simple soldat, il distribue du fric et dans une boîte comme ça, à mon avis. Il y a ses parents derrière tout ça, mais bon, je vais rien dire. En tout cas, il est mort donc voilà, il a payé sa dette. C'est quoi la boisson locale? Le Mai Tai. Oubliez ça, mettez-moi les Sambuca. 5, 6, 7. Si elle veut, casse-toi. Problème avec Lisa? Quoi? Elle t'a raconté? Déconne pas, Jason, sinon tu vas la perdre. J'ai les verres! Alors ça, tu vois, c'est exactement ce qu'il me fallait. Allez, on boit! À la tienne! Allez, à la tienne. Attends, bah. Attends. Bois. T'as les morphales. Bois. À la tienne! C'est ça, ouais! Oh merde! Petit frère Riley pour avoir eu son brevet de pilote. Ah, il est passé Riley. Où ce con putain? Putain! La black card de mon père et à ma black ouais card! Ouais, ouais! Énorme! Ouais, là j'ai vachement appris sur le passé des personnages. Donc ils allaient en boîte et ils buvaient des boissons locales, ouais. C'est... Il y en a qui a eu son brevet de pilote aussi. C'est lui qui a eu les parachutés, les condamnés. Hop, et maintenant je suis défoncé. Je suis où là? Attendez, je suis où? Où est-ce qu'il est allé se foutre pour être défoncé lui? Ok, à côté des plantes écarlates, je les prends, bim! Ah d'accord, il est venu jusque là en étant défoncé, ok. Je peux en prendre encore? Tu vas me manquer. Je peux encore en prendre, allez hop là. On va faire une overdose vite fait ça. Ça va vite être réglé. Encore. Il prend tellement cher. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'accord, ça suit en fait. C'est exactement dans la boîte. Comment tu danses toi? Je comprends que j'en ai marre de toi quoi. Regardez-moi ces deux connasses comment elles dansent. J'appelle pas ça danser moi. Et lui. Les mecs ils avaient vraiment la flemme de faire des animations quoi. Autant pour je vais prendre à boire encore. Autant pour Vass et tout, je suis sûr ils ont fait de la motion capture et tout, c'est trop bien fait. Mais là, pour faire danser les connards, ils ont dit oh, je peux en boire. Est-ce que je peux me bourrer la gueule encore une fois? Allez, rendez-moi ça comme il... Autant le mec il met 6 heures à me servir le truc,
Mais vous voyez, il met longtemps à remplir le verre, mais quand il me le tend, il me le lance limite. Tellement il veut me le lancer, tellement il veut me le donner vite, quoi. Ça. Yop. On va peut-être s'arrêter là, non? Ah, ouais, bah on va s'arrêter là. Ok, il est par terre. Ok, il est par terre au milieu de la boîte. Normal. Est-ce qu'on peut retourner boire? Non, peut-être pas en arrière. Il y a deux Américains qui foutent la merde aux toilettes. Font chier les Yankees, touristes. Ouais. J'espère qu'ils parlent pas. Moi, ils me font chier ceux qui parlent sans ouvrir la bouche. Bonjour. Vous avez tous la même tête, hein, dans cette boîte. C'est bien ce que je pensais. Vous avez tous la même tête. Salut. Oh, tu te la pètes, toi, mais de la violence. Dégage de là. Quoi? Je peux pas sortir de la boîte? D'accord. Salut, le DJ. Je peux danser là. Attendez, maintenir E pour danser. Épique. Allez, on se bouge. Merde. Waouh, waouh. E. Ouais. Ok. J'ai pas envie de te voir danser comme ça. Ça me fait mal. C. Tu danses tellement bien. Ouais. Ce son. C'est bon, on arrête le massacre. Porter une casquette de putain, ils ont tous la même tête, donc on va vite le reconnaître, ton pote. Il y a deux Américains qui foutent la merde aux toilettes. Sub Reed Yankee. Voilà, je sais qu'il y a à dire ça, je sais pas pourquoi, mais petite intuition comme ça. Ah, c'est par là. Doug. Doug. Dis, tu restes pour mon set. T'es qui, hein, toi? Pas ça. Dis, t'as pas vu mon petit frère? Casquette à l'envers. Ouais. Si, il est aux toilettes. Casquette. Mais non. Attention, j'arrête. Les filles sont chères ici. Oh merde. Merci vieux. Allez, à plus tard. Ok. Doug, on l'a plus revu, hein. Salut. Salut. Tu payes pour la fille. Hey, tu l'embrasses, tu payes. Non mais ça va pas, c'est elle qui m'a mis la main au panier. C'est à elle de me payer. Tu vas payer ou on te pète la gueule. Vous êtes bouché, je paye pas, rien. Hey, Kiss, calme-toi un peu. Écoutez, j'ai de l'argent, Riley, ok. Riley, ferme-la, il va plutôt me chercher une bière. Pas vrai, t'es une vraie gonzesse. Quoi? Eh, hey, ça va, on se calme. Allez, on y retourne. Plus de bagarre, t'avais promis. Comme tu voudras. Trouvez l'autre pigeon, les gars. Hé hey. Le grand doit payer. Va te faire mettre, connard. Tu te crois meilleur que nous? Je crois bien, ouais. T'es chez nous, ici. Pas chez toi. Surveille ton cul, on se retrouvera. Ok, il faisait un peu le dingue, le mec habillé en blanc, je sais même plus son nom. Kiss? Je sais pas si c'est son nom. En tout cas, il faisait un peu le dingue avant de se faire violer 40 fois par Buck. C'est bon, là, t'es encore défoncé, je peux pas passer, ça, j'aime bien le voir se relever, c'est cool. Faire un jeu aussi où on voit me lever tous les matins, c'est pas mal. J'ai compris qu'il avait la tête en... Ah ouais, c'est bien autour dans la grotte, t'inquiète pas. L'autre, il est encore en train de chialer là, je l'entends là. Je peux mettre la radio? Non, dommage. Encore en train de chialer, putain, mais elle s'arrête jamais. Oh putain, on peut encore, mais what the fuck. Allez, on le fait, hein. De toute manière, ce sera fait, ça. On plonge dans son passé. Allez, hésite plus. 3 fois de suite. Tu as de graves lésions cérébrales, toi, mon gars. Tu vas pas vivre longtemps sur ta petite île paradisiaque, là. Oh putain, il faut que je danse. Oh putain, comment ils dansent tous, c'est une horreur. Yeah. Oh, si je fais espace. Ah, j'avais pas fait ça. Oh putain, mais celle-là elle date de quand? What? Ça, il a qu'une musique, le DJ. Ok, lui, je sais pas ce qu'il va faire. Je crois qu'il va se faire défoncer la gueule en plein milieu du truc, non? En plein milieu du dance floor. Ah, pourquoi je l'avais dit? Oh, il est rentré dans. Oh! Ah bah oui. Oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Ok, toi tu sais pas que tu fais chier là. Je suis un putain de psycho, mec. Je trouve on en sait pas beaucoup sur Jason, par derrière. Sur le héros. Parce que je sais pas, c'est quand même un putain de malade le mec, il sait un peu tout faire quoi. J'aimerais bien savoir ce qu'il faisait avant dans la vie, parce que je sais pas, moi il était dans les forces spéciales, c'était Bear Grylls. C'est bon, il y avait deux mecs. Allez, la porte. Jason, monte, allez, monte. Oh mec, il est sérieux, Jason? Tu crois qu'il est pas rentré quoi? Bien sûr que j'étais obligé.
Eh ben, dingue, ça me donne faim, moi. Plus qu'un tatouage à la cheville et ce voyage sera parfait. Ça dirait un tatouage Yantra. Ouais. Je connais un gars dans le coin de la station Siam BTS. Oula, on va voir Denis là, non? Écoutez, je vous présente Doug. Il est DJ et surtout, c'est un gars super sympa. Salut Doug. Est-ce qu'on va te revoir dans Far Cry, dans le jeu et tu vas être un connard? Ouais, Bangkok, c'est notre dernière étape. Vous avez raison, faut finir en beauté. Ouais, carrément. C'est sinon, vrai. Vous avez prévu d'autres trucs? On aime bien se laisser porter par le courant. Vous avez de l'argent, au moins. Ouais, ça vous dirait de louer un bateau? Lui, il en a. Je connais une île sympa où on peut faire ce qu'on veut. Waouh. Mais t'as pas un truc un peu plus extrême à nous proposer? La chute libre. Merde. Genre on prend un avion et on saute au-dessus de l'île. Ça me branche à mort. Sauter en aveugle, c'est risqué. Oh allez. Sans déconner, c'est chaud. Il y en a qu'un qui a la tête sur les épaules, quoi. Y a qu'à faire ça demain. Allez quoi, allez. Mais ouais, fais pas ta poule mouillée. Tu vois, Lisa, tout s'arrange, on va pas manquer ça. Bon, c'est bon. Alors, et où cette île? Ouais. Va, s'il va nous choper. Quelle connerie. C'est vraiment des connards sérieux. Ils méritaient ce qui leur est arrivé, quoi. Enfin, peut-être pas autant que ça, mais. Oui, t'es défoncé, merci. Ça fait 3 fois que je te vois te relever comme une merde. Surtout que j'ai déjà vu celle-là d'animation, alors t'es gentil, mais. Ah, la plante a repoussé entre temps, merci. Merci pour cette plante gratuite, ça me fait plaisir. Plan de porte-bonheur, elle s'appelle. Ok. Encore une fois, ils ont pas marre d'aller me voir me défoncer, eux. Encore une fois. Ah non, oh non. On verra pas quand on monte dans l'avion et qu'on fait de la chute libre. C'est triste. C'est le vœu, elle. Mais je reviens, mais. Putain, mais elle sait pas qui je suis, elle. Coup de pied sauté dans la flotte, les deux. Mais non, je peux pas. Le jour où les jeux vidéo nous laissent faire ce qu'on veut, mais alors là ce sera une boucherie sur les personnages principaux. Je vous annonce même pas. Putain de connasse quoi, mais je leur ai sauvé la vie et tout et c'est bon quoi, je peux rien faire de la mienne. J'ai pas le droit de rester sur une île et de massacrer des gens quoi. Comment c'était dur. T'avais peur d'en avoir quelque chose à foutre. Allez, hein, quand tu leur as dit. Maintenant, l'agent Willis. Oh non, c'est qui lui? C'est connard non? Je crois que c'est le connard lui. Connard pro-américain là. Allez, on va le voir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est juste à côté d'un point de téléportation, ça se fait plaisir ça. Putain, mais Vas, pourquoi on a tué Vas? Ah, j'aurais préféré être avec Vas qu'avec l'autre grognasse là. Laissez-moi juste vendre tout. Non, reste là. Sans moi, cette opération russe nous a pété à la gueule. Je rejoins la Task Force 141, on décolle ce soir. C'était bien de bosser avec vous. Merci. Avant de partir, j'ai un service à vous demander. Aidez-moi. Excusez-moi, micro qui n'a pas trop supporté là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer. J'avais infiltré un agent, il est encore en vie. Enfin, je crois. On fait quoi alors? On a trouvé son agent? Survol l'île de Hoyt en rentrant vers la Russie, je peux vous déposer, je vous envoie les coordonnées. Parfait. Il a une île Hoyt, ok, il y a l'île de Vas, l'île de Hoyt, c'est la fête. Avec ou sans vous? Tout le monde a une île. Et où ton avion? Ok. Est-ce que j'y vais en freestyle ou je suis les routes? Allez, en freestyle, on va voir. J'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose de mal va se passer. Oh, hop hop. Non, non, ça mérite une falaise ça. Non, non, moi je fais pas dans les falaises encore. Aïe. Ouais, normal. J'ai rebondi avec ma tête. Allez hop. Putain. Bien sûr, il y a des barrières. Merde, il y a de l'eau en bas. Fais chier. Ouais, où est-ce que je vais? Bon, l'envoyer par là, fuck this. Ok, bon d'accord, c'est un fiasco.
pas un bateau là. Ok, je me pète la gueule. Parfait. Il y a des mouettes. J'ai cru que j'avais tiré sur... Oui, je crois que j'ai tiré pile dans le poteau en pas de sens. C'était pas mal ça. Bon, j'espère que c'est pas trop loin. Ça merde. Bon, il nous donne plein de temps alors ça doit pas être proche. Oui, il y a la nage. Plongeons. C'est quoi ça, des buffles? On va les laisser en paix, les pauvres. Ils ont pas intérêt de m'agresser par contre. Oh, j'ai ce putain de sniper, c'est vrai. Je suis content de la récupérer celui-là, je vais le garder. Putain, pas de véhicule, mais c'est... ça c'est abusé ça. Oh, il y a des chiens. Allez, venez m'attaquer, soit des chiens, soit des dingos. Ce sera le même résultat pour eux s'ils m'attaquent. C'est bon, ils m'attaquent pas. Ok, ils se battent contre des buffles. Laissez les buffles en paix, bande d'enfoirés. Je passe à côté d'un camp, bien sûr. J'ai pas envie de me faire le camp, moi, fuck. Oh, des tortues. Énorme. On en voit pas souvent, ça. Ah, j'aime bien courir avec de la musique épique, alors qu'il n'y a rien d'épique dans ce que je fais. Jason, c'est à la mot ici. Pirates m'ont encerclé, venez vite. Ouais, je suis en train de venir là, j'essaye. Tout à l'heure. C'est pas rapide hein, de venir hein, Willis. En plus je t'aime pas donc je vais sûrement pas me manier. Ah bah c'est juste là. Ok, on va s'en faire 2-3 par derrière. Putain, arrête de bouger. Mange-toi ça. Où ils sont? Plus rien là, où ils sont? Il y en a là. Ok. Voilà. Tiens, à travers la... Oh, genre. Ok, qu'est-ce que tu fais? Ouais, super boulot. Le dernier, je sais pas ce qu'il avait. Oh merde. J'étais pas payé pour ça, moi. Attendez, je voulais juste voir un truc. Dans les compétences, on n'avait pas débloqué un truc avec un flingue. Ah, ça. Comment on le fait? Voir didacticiel. F. Ok, clic gauche, tout simplement. D'accord. Allez, je vous attends. Attendez, il y a un diamant là, je vais le prendre. Ah. Genre le mec qui répare un avion, quoi. Oh, mais je suis con, il y a une mitrailleuse. Bon, je peux pas regarder à droite avec ça, c'est un peu le malheur. Ok, t'étais tout seul, c'est ça le délire? Y'en a d'autres qui approchent, on dirait. Couvre-moi. C'est des gars ça là-bas? Je crois en fait il m'avait pas repéré, non? Si j'avais pas tiré, il serait resté comme des cons. Ah, à la Rambo. Bon, y'a plus personne là. Allez, avance dans tes putains de réparations, toi. Ah, excuse-moi. Oh putain. Eh merde, j'ai pas réussi à te choper en élimination. C'est pas grave. Aïe. Oh putain, je l'avais là. Ah, toi, je t'ai pas loupé. Sniper à bout portant, normal. Brody. j'ai pas une autre arme là. Le plus adapté. Ah bah j'ai ça. Oula. Y'a Fat Billy là, y'a Fat Billy. Ah, la grenade, Fat Billy. Je vais me faire un frag de grenade en plus. T'es pas mort? Ok, une deuxième. Je vais me faire un frag de grenade, je t'ai dit. Tu as été désigné, c'est ta tâche de faire un frag de grenade, d'accord? Maintenant tu me laisses te fouiller s'il te plaît. Merci. On va fouiller encore. Putain, il avance pas dans ses réparations là. On dirait pas qu'il... Je crois qu'il a pas conscience qu'on se fait attaquer, mais bon. Ah, je l'envoie sur le radar. Un client. Oula, j'en ai eu deux en un coup là.
Eh ouais. Grenada. Donc j'ai toujours pas compris comment faire les éliminations là, ça me saoule. Ça me saoule. Appui rapide, bah oui. What the fuck. Pourquoi j'ai pas réussi? Ah. Ah non, j'ai pas réussi, mais fuck me. Fuck me, I'm famous quoi. Allez, il est prêt ton putain de coucou là. Ça va tranquille. Putain, il prend son temps, hein, la biatch. Bon, on prend des munitions en attendant. Si j'ai d'autres comme arme, il faudrait que je recharge ça. Ah, ça s'est rechargé, très bien. Miracle de la technologie. Ah, il y a des clients par là. Je sais ce qu'il faut faire quand ils viennent de là. Ah, ils me voient pas là. Ah si, trop tard. On y va. Allez, je suis là, on y va. Je suis juste à côté de toi, on y va. Avant de se faire dépouiller là. Ok, non. Ok, il veut pas y aller. Il veut pas mourir, ça tombe bien. Pas trop dégueulasse. Ce jeu en élimination mais tellement facile, c'est épique quoi. C'est bon, on peut se casser maintenant. Ah, elles sont horribles tes lunettes, je tiens à te le dire. Jason, montez. Vous allez en Russie avec ce coucou? Vous voulez rire, change d'avion à Singapour. Vous saviez qu'il est illégal de mâcher ou d'acheter du chewing-gum à Singapour? C'est pourtant de l'ADN de l'Amérique, le chewing-gum. C'est carrément comme une déclaration de guerre à l'oncle Sam. Merci. Pour il gueule là. Merci. Qu'est-ce qui lui arrive là? Montez. Montez, je vous dis. Allez, fais pas la tarlouse là. Il fait la tarlouse alors qu'il s'affronte des centaines de gars. Oh, oui, avant que j'oublie. Mon ami Sam est implanté chez Hoyt et ses hommes, à Thurston. Si vous sifflez l'hymne américain en traînant au Crazy Cock Bar, il saura que je vous envoie. Ok. On va siffler l'hymne américain alors. J'ai donné ma vie entière à l'agence. J'ai fait mon lot de magouilles, mais ça va me rapporter gros. Eh oui! Je vais bientôt sortir de ce trou! Très bien, allez, largue-moi sur l'île de Hoyt, qu'on arrête les conneries. Que je puisse tuer Hoyt. Et que le jeu me dise que Vas il est pas mort, parce que j'ai un peu du mal à accepter ça. Vas qui est mort quoi, c'est terrible. Oh non, pas ça encore. C'est infernal ça. Caterpillar, tiens. Qu'est-ce qu'il vient foutre là cette marque? Cette marque. Ok, Caterpillar ça veut dire chenille. Ok. Il est trop étrange ce jeu des fois. C'est là que je vous drop. Il vous reste qu'à vous envoler. Vous êtes sûr qu'il fonctionne ce wingsuit? Non, non, petit. Bras et jambes tendues et ça ira tout seul. Bonne chance pour la Russie. Un patriote reste un patriote. Oh, je joue. Pique. On peut ouvrir la... Comment je fais? Mage. C'est fait. Biatch. Merde, il faut que j'aille à droite. Ouais. Contrôle de la wingsuit peut-être. Z et S pour gérer l'inclinaison. Ok, bon, il y a un extra. Oh, c'est pour ouvrir le parachute. Excellent. Incroyable. 3000 XP, c'est ça qui est incroyable. D'avoir 3000 XP comme ça, oui, c'est incroyable. Puis sur échappe. Combinaison est top secret, même top secret, tu te fous de ma gueule ou quoi, tout le monde qui en a. Même sous la torture ne révélait jamais à Hollywood que je l'ai volé dans un stock d'accessoires. Ok, c'était de l'humour, très bien. Parachute. Je sais ce que c'est un parachute, c'est bon. Contrôle du parachute. Allez, on y va. Oh, putain, j'ai cru que ça allait être contrôle du bug.
Ok, c'est les mêmes contrôles, cool. Ah, je vais finir à l'eau là. Ah, dans l'eau. Aïe, je me tape la tête dans le sol. C'est bon. Voilà ma maison. On va savoir si ce Sam existe vraiment. Je sais pas. On verra bien s'il existe, hein, écoute. Ah, là-bas, c'est l'autre île, apparemment, non? J'ai du mal à comprendre. Il était obligé de me mener en avion de là à là. Attends. Non, ça doit être. Non, 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 ça doit être la même île. Je veux juste voir la map du coup. Ah bah! Quelle bande de mythos! Il m'a amené de là à là. C'est la même île, c'est pas l'île de Hoyt, c'est la même. C'est tout. Norage. Ah! Bonjour. Je vais vous prendre en photo. Je suis rédacteur en chef dans un magazine. Ok, alors vous, je vais vous défoncer. Ah, il fallait que je vois, j'ai dû débloquer du coup le truc de compétences. Pour le gros là. Oui, je peux faire émination par grenade, tiens. Ah, c'est pas trop dégueulasse ça. Et moi, c'est ça que je veux. C'est x5 pour chaque victime, vous imaginez le bordel. Ok, ça c'est bien. Est-ce que je l'ai le pistolet débloqué? Parce que c'est incroyable que j'arrive pas à le faire. Attendez, je veux revoir. Appuie sur F. Clic gauche. J'ai un peu du mal à comprendre. Ok, là ils me voient pas, là ils sont sacrément cons. Sinon je peux libérer le tigre. Non, on va essayer de se les faire avec une élimination. Plan d'attaque. Il me voit pas là, ok. Ah, il a cru me voir, mais là il me voit pas là. Ok, ça va être chaud de le viser avec cette merde. Pas voir que je le loupe. Mais non, mais putain, sort ton putain de pistolet. J'arrive pas à faire l'élimination au pistolet de mes couilles là, c'est la même touche quoi. Putain, c'est la même putain de touche, comment il a foiré mon plan d'attaque, mais crève. Ok, putain, les mythos quoi, c'est clic droit, c'est des putains de mythos. Ils me disent clic gauche et toi tu vas mourir pour à cause de... Il a encore envie. Hop, je t'esquive. Ouais, je t'esquive pas très longtemps. Les enfoirés quoi, mais c'est clic droit, mais quelle bande de gros mythomanes. C'est bon, t'es mort là? Putain, j'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça quoi, c'est clic droit pour le flingue. Ah, oh, je me sens trahi là. Je me sens trahi par ce jeu, c'est honteux. Lui il a un Dragunov, ok il est content. Et laisse-moi te fouiller, putain c'est bien compliqué de fouiller les gens dans ce jeu. Est-ce que je peux prendre... Oui. Bon ça, il y a un camion, ils ont de la chance, il y a un camion pour se faire pardonner, j'adore les camions. J'adore les camions dans ce jeu, ils sont totalement épiques. On va peut-être se faire l'antenne radio, non? Non? Moi je pense que si. Attendez, ça dépend où elle est, remarque. Non, elle est plus loin que l'objectif, donc F. Salut! Ah, il y a un village. Salut, j'arrive au village. J'enfonce un peu les portes. Faites-moi voir ce village. Alors, salut. Oui. Quoi de beau dans ce village tout pérave? Oh putain, ça m'énerve, ça. Ils se font chier à chaque fois à faire des enseignes lumineuses alors qu'ils vivent dans la pauvreté, c'est hallucinant. Mon Dieu, Crazy Cock existe. Eh oui, il existe. Hop, mais il faut que je rentre, allez hop. Crazy Cock. Ok, ils sont tous en train de boire, c'est hallucinant. En même temps, on vient pas dans un bois, dans un bar pour autre chose, mais bon. Ouais. Toi je te connais, toi t'es le même barman. T'es partout toi. Qui s'appelle Sam? Je connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire inviter. Ok, j'y vais. Monsieur le chauve que je vois dans tous les bars. C'est toujours le même barman. C'est là? Non, c'est pas là. Ah, si, c'est là. Où est-ce que tu vas? Jouer au poker,
Ça pose un problème. Repose la main sur moi et je te la coupe. Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. Pourquoi je peux pas payer, je suis millionnaire. C'est bon. Allez, entre. Je suis multimillionnaire, mec, qu'est-ce que tu me veux? En plus, j'ai ramassé plein de jetons poker, de poker depuis le début de l'aventure, là, dans tous les coffres en bois pourri, là. Jetons de poker noir, jetons de poker rouge. Salut! Willkommen à la table, le nouveau. Assieds-toi. C'est toi, Sam? Je suis sûr que c'est toi, de manière, t'es le plus épique des trois, donc... Ah mais il faut que je joue. Je vais suivre. Suivi pour moi. Suivi pour moi. Alors attendez, il faut que je vois les mains. Clic droit donc. Non, clic gauche. Eh mais c'est un fail hein, leur truc, ils inversent toutes les touches dans leur bordel. Ok j'ai une paire de rois. On va relancer. Je vois ta mise, et je vais relancer. Je me couche. Je vais suivre. C'est vrai, lui il se couche. C'est même pas commencé, il se couche quoi. Connard de Sam, t'as pas de couilles. J'aime bien la musique. Oula, je vais prendre cher là. Je vais checker aussi je crois. Je vais checker. Check. Merci de checker les gars, vous êtes bien gentil. Sors-moi un petit roi. Je check. Je check. Je vais checker. Je vais me faire défoncer, ça va être violent. Carte de merde. Il va me défoncer lui. Quoique, non, attendez, je suis con. Je suis. Attendez. Ok, ça va être tellement violent pour lui. Tapis. Allez, tapis. Oh merde. Tu te couches, t'es une tarlouse. Merde, j'aurais dû continuer de faire monter. Boum. Bon, je l'ai défoncé. Merci, Dame Fortune. Avec ma petite couleur. On continue, ok, allez. Sans mise, Sam mise la grosse blinde. Ok. Il fait ce qu'il veut, Sam, hein. Faire ma main. Oh. Cinématique. Ah, c'est moi qui siffle. Ok, l'hymne. Bon, cette partie m'emmerde. Terminé pour ce soir. Ah, d'accord, il a reconnu quoi, l'hymne. Déjà, tu veux que je continue à jouer, Karl? On devrait monter les enjeux alors. Non, Sam. Je disais ça comme ça. Good. Ok. J'en ai énervé de la vie, lui, non? Moi aussi j'arrête. On ne rembourse pas. Très bien, c'est des jetons en plastique, mec. Oh, oh bah. Où vous êtes là? Putain, j'en ai marre des fantômes de ce jeu, quoi. C'est des passe-murailles, les gars. Suivez Sam dans la ruelle. Sam. Ah. Oui, Sam. Pour qui est-ce que tu travailles? C'est l'autre connard qui m'envoie. Willis m'envoie. Et comment il va? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il va bien. Enfin, je crois. Los, amigos. Je te suis... Ah, tu vas disparaître, c'est ça? Ouais, j'ai vu ton ombre qui a disparu. C'était totalement honteux. Où est-il parti? Bah, c'est un passe-muraille, comme tous les autres. Ah, mission réussie. Oula, j'aime bien ce beau bâtiment là. J'aime bien ce village, il est magnifique. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On s'arrête là et à la prochaine. Allez, salut. Merde, je croyais qu'il est mort. Il est mort. Oh, c'est la fin. Yeah. Bien fait dans mes données. Yeah, merci.
Faites la paix et refaites entre jeunes.